Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve sur Stellar Blade, la démo. Le jeu sortira le 26 avril en exclusivité sur PS5. On va se découvrir ça. Je vais vous montrer tout de suite dans les paramètres d'affichage. Il y a trois modes. Vous avez performance, équilibre et résolution. On va laisser en équilibré. On va voir ce que ça donne. Donc le jeu sortira le 26 avril. Je vous avoue que c'est pas forcément le genre de jeu qui m'intéresse vraiment, mais je suis quand même curieux d'essayer, d'autant plus que c'est une exclu PS5. Par contre, il y a un autre jeu qui sortira lui aussi le 26 avril, il me semble. C'est Sandland. C'est pareil, c'était pas vraiment le genre de jeu qui m'intéressait, mais j'ai vu qu'il y avait une démo aussi et j'ai regardé une grosse vidéo explicative un peu de tout ce qu'il y a dans le jeu et tout. Et ça, par contre, finalement, ça me fait plutôt envie. D'autant plus que c'est. Bah, je pense, oui, il n'y aura peut-être pas d'autres choses. Il n'y avait peut-être pas d'autres choses en cours. Donc, ça doit être le dernier projet d'Akira Toriyama. Je ne sais pas si je ferai une vidéo sur la démo. Mais celui-là, par contre, il m'intéresse. Donc, je pense qu'on fera plutôt ça fin avril. En attendant, on va se découvrir Bon, on va mettre normal sur Stellar Blade et on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est bon, la capture fonctionne. Transmission dernier briefing. L'escadron aéroporté 7. On a une VF, ça c'est bien. Ils ont pour objectif de capturer et d'éliminer le Nightibar en question. Entrée module dans l'atmosphère. Une minute d'abord, franchissement du sol. Sacré largage, hein. Bon, dès le début, on est mis dans le bain, en tout cas. Il y a de l'action directe. Ah bah si, hein. Je crois que l'atterrissage va être rude, hein.
Oui, j'avais dans les paramètres, il y avait aussi une option pour la queue de cheval. La mettre plus ou moins longue, je crois. Il me semble que j'ai vu ça. Je sais pas trop pourquoi, mais bon. Bon, on est parti, déjà. Ouf. Le son, ça envoie du lourd dans mon oreille là. J'ai pas mis trop fort, pourtant, je mets qu'une seule oreillette hein, parce que. Est-ce qu'il y a une touche pour esquiver? Ça serait bien. Bon, c'est grand spectacle. Ça a l'air plutôt joli. Et dans le mode équilibré, ça a l'air quand même assez fluide malgré tout. Et ouais, ça a l'air assez fluide malgré tout dans le mode équilibré. Après, faudra voir. Oh là là. Bon, c'est pas tout public, hein. Après, on s'en doutait, hein. Mais. Attention, c'est un Aitiba non répertorié. Je m'occupe de celui-là. Ouais, si, c'est le rond pour esquiver. Bon, hop, puis. Attention, d'autres arrivent. Il est cuit après. Bon, on voit que c'est pas totalement. Il y a quand même quelques petites baisses de framerate. On n'est pas à 60 constants. Il y a, tiens, je viens d'entendre du son dans la manette. Compétence bêta, ok. Mais bah, franchement, ça va. C'est le, bah, je trouve justement le compromis entre la qualité graphique et la fluidité est pas mal là. Ah, ça c'est pas mal aussi, ça. Et puis après, bon, si vraiment vous voulez être sûr à 100% qu'il n'y ait pas de baisse de framerate, voilà, ben il vous reste plus qu'à mettre le mode. Ouf, bah dit. À mettre le mode performance, et puis voilà, ben vous êtes sûr à 100%. Hein. Bon, c'est grand spectacle et tout, c'est pas mal. Par ici. Fais bien attention à Gardner. Oh putain, la vache, oui. Ah, ça pète dans tous les sens. Hey, continue, ne t'arrête pas. Ah non, bah je risque pas de m'arrêter là. Hein. On va courir fort, fort, fort. De vie de l'escadron. Il n'y a plus que nous. Eve. Eve, ressaisis-toi.
Chut. Écoute-moi bien. Nous n'avons pas terminé notre mission. C'est à nous d'aller jusqu'au bout maintenant. C'est compris ? Ouais, faut y aller, hein. Plus le choix maintenant. On me dit pas que le gros il est pas mort, cet enculé. Bah, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Je vais te dire, hein. Ouf. Ah ouais, non, la garde, ça marche pas, là. J'essaie de l'esquiver, mais... Bon, je fais pas grand-chose, là, pour le coup, pour l'instant. On va essayer de le défoncer. Ah, par contre, je trouve que l'esquive est pas terrible. Parce que là, j'ai appuyé au moins 3 fois et j'ai pas pu reculer assez. Même là, hein, je peux pas reculer assez. À chaque fois, ça va pas assez vite. Regardez. Pour pouvoir l'esquiver. Je trouve qu'à ce niveau-là, c'est pas. Regardez. Regardez, je peux rien faire, je peux pas l'esquiver. En fait, à partir du moment où il me fonce dessus, c'est mort. Ouais, ça c'est pas. Je trouve que c'est pas terrible. À ce niveau-là. Ou alors il y a encore une autre touche ou quelque chose que j'ai pas compris, mais j'ai pas l'impression. Ou alors faut vraiment genre taper le sprint. Ouais, c'est peut-être ça en vrai. Ouais, je crois qu'il faut faire ça en vrai. Parce que là... Il m'a buté. Bon, visiblement, c'était scripté. Bon, ouais, il va m'en faire le malin. Ce n'était pas un alpha, mais il était puissant. Tu t'es bien battu. Encore mieux qu'à l'entraînement. On était tous ensemble. Et puis... Ton châssis corporel est endommagé. On doit trouver le camp de ravitaillement. Attends, Eve. J'entends un bruit. Eve ! Pas de s'en sortir, hein. Eve, est-ce que ça va ? Je sens qu'elle va mal finir, elle. Oh putain. Paris, c'est moi que tu veux.
l'avais dit, je sentais qu'elle allait mal finir. Eve, va-t'en d'ici. Ashi! Bon. Ça fait une grosse entrée en matière quand même. Restons quand même sur nos gardes. C'est là qu'est le Naitiba Alpha. J'ai pas trop envie de retomber dessus personnellement, mais bon. Maintenant, prépare-toi. Je serai en support avec le drone. Mais malheureusement, on va devoir y aller quand même. J'ai pas trop envie, moi, mais bon. Donc, c'est ça, Eidos 7. Oui. C'est le dernier champ de bataille de la civilisation. C'était aussi connu pour être une ville colossale. Quelque chose tombe du ciel. Une étrange sensation. Ça doit être la pluie de la terre. On admirera le paysage plus tard. On a du travail à faire. Alors. Les données du terrain ont changé récemment. Des éboulements. Aide, attention. On va faire attention. Quelque chose approche. Oh. Voilà, on récupère des trucs. Ça, c'est pas mal. Ça va certainement servir ici. Essaie d'entrer le code. Oh merde, je m'en rappelle plus. Merde. Attends. Ouais, je veux annuler. Ah ouais, je m'en rappelle plus du code là. Vous êtes marrant, vous. Ok. C'était ça là. Ouais, s'il faut les retenir à chaque fois, compliqué pour ma tête là. Les bâtiments s'effondrent. C'est à cause du sol instable de la ville. T'y habitueras bientôt. Il y a des poissons. Il y a des petites merdouilles encore.
Bon, la musique, là, pour le goût, je suis un peu moins fan de celle-là. Je trouve pas que ça colle particulièrement. Des endroits où vous pouvez vous reposer, enregistrer vos progrès, récupérer des bitcoins près du camp pour les... Lorsque vous pouvez vous asseoir sur une chaise, récupérer des PV et recharger votre injecteur. De plus, les objets, stockés dans la réserve seront transférés dans votre sac s'il reste de la place. Ah ouais, ok, donc après, t'as les ennemis qui reviennent à la vie, tout ça, ok. Utiliser le magasin, ok. Des grenades incapacitantes. Pour l'instant, j'ai pas les moyens, évidemment, mais bon, pourquoi pas. Voilà. Paramètres de compétences. Oh, c'est un peu chiant, ça. Paramétrer vos compétences, vous pouvez aussi apprendre une nouvelle compétence. Ok. Effectuer une esquive au moment opportun pour exécuter une esquive parfaite et esquiver les attaques dangereuses. Ok. Ok, bon là j'ai pas besoin de... Ah, attendez. Pourquoi ne pas se reposer? On fait partie de toute mission. D'accord, donc j'ai pas le choix, faut que je le fasse. Ouais, donc on va voir ce qui se passe. Ça va? C'est rien. Maintenant, Eve, tu dois rester sur tes gardes. Allez, on y va. Bah ouais, ils sont revenus du coup. C'est pas très grave. Bon, le système de combat est plutôt cool. Ah, je l'ai découpé. Bon, je l'ai pas esquivé non plus là. Ok, micropropulseur, bon. La potion, ok, sélectionnez la potion de votre choix, ça on avait déjà vu. Ça devrait être compatible. Pense bien à tout récupérer. Restaure des PV instantanés, ok, et là c'est en continu, d'accord. C'est pas mal aussi les trucs en continu comme ça. Non, c'est pas vrai. Tu vois, si tu t'éclates la gueule, bah t'es mort. Heureusement que t'es là, mon pote. Wow, il fait mal, lui.
Ok. Ah, ils font mal ceux-là, hein. En vrai. Putain. J'ai pas vu venir celle-là. Ok, donc ça permet. En comparaison, cette ville n'est pas si mal. Après l'extinction de la colonie, presque toute la ville est en ruine. Hein? Attends, c'est une cellule à fusion. Soulevons ce capot. Ah, ici. Oh génial! J'avais vraiment besoin de ça. Je parle pas beaucoup, hein, parce que vu qu'il y a beaucoup de dialogues, de cinématiques et tout, je vous laisse. Oh putain! J'ai pris ma potion là! Allez. C'est un peu le bordel. Hop là. Bon. C'est pas facile, facile, hein. Non, mais comme si j'avais besoin de ça, là. Bon, après, je vous dis, c'est pas facile, facile. C'est aussi parce que je joue vraiment comme une. Tiens. Tu l'as pas volé celle-là. Par ici. Il y a des traces de marqueurs laissées par la Légion. Si tu suis les marqueurs, ils te mèneront quelque part. Ouais. Sur la puce mémoire. Elle contient aussi des enregistrements. Analyse terminée. Ouais, on peut pas aller par là. Faut aller par là. Du coup, on y va. Toc. Ouais, je la vois. J'imagine que s'il y a ce truc là, c'est que je peux pas me foutre dans l'eau. Enfin, si visiblement, on peut nager. Bon.
Ok. Remontons là. Ouais. Hop, on va remonter. Ah, attendez, ça me gratte. Toc. Ah, ben non. Bon, je suis mort. Bon, écoutez, de toute façon, on arrive à plus de 30 minutes. On va pas aller plus loin. Je pense que ça suffit pour découvrir, se faire un premier avis. Bon, écoutez, c'est plutôt joli. Ça a l'air plutôt bien mis en scène et tout. Après, je vous confirme que c'est pas un jeu que je vais acheter, en tout cas pas à la sortie, pas au plein pot. Peut-être plus tard, quand tu auras des promos, ou dans quelques mois, pendant l'été, quand tu auras des périodes de creux. Mais je le prendrai certainement pas à la sortie. Mais en tout cas, pour ceux qui aiment ce genre de jeu, vous savez, ce jeu, merde, comment il s'appelait avec. Pareil, le cyborg là, 2B, c'était. Ah, j'ai un trou sur le nom du jeu, ça veut pas me revenir. Bon, bah voilà, si vous aimez ce genre de jeu, je pense que ça va vous plaire. Moi, je l'avais fait, j'avais. Voilà, j'étais. C'est pas que j'aimais pas, mais ça m'a pas passionné au point de. Voilà, d'être passionné aussi pour ce jeu-là. Mais ça a l'air plutôt bien foutu en tout cas. Donc écoutez, je vous remercie, je vous dis à la prochaine, salut à toutes et à tous.